Salut, salut, salut les amis. J'espère que vous portez bien, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui, on va faire une espèce de... On va vous faire un vlog, là où on va vous montrer un peu notre balade au parc, en fait. Enfin, au zoo. Donc, voilà, restez connectés. On va vous montrer un peu ce à quoi ça va ressembler. Asiane, est-ce que tu veux dire quelque chose? Bonjour, nous sommes au parc. Voilà. Oh, wait. Ok. Mais bien évidemment, ça va être un peu compliqué parce qu'on est avec un assistant là. Assistant, il ne nous fait pas de cadeaux en fait. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, on est parti. Voilà. Okay, picture. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est là. Ça va être vraiment en fait une journée de découverte en fait. Voilà. On va un peu vous montrer. Voilà, Siana sur le côté là-bas. Voilà. Avec notre assistant. Donc, c'est un peu ça en fait. On va un peu aller en détail, un peu montrer un peu comment ça va se passer. Donc voilà quoi. Soyez connectés. Et voilà. Alors on va rentrer là. Désert d'homme, on va un peu rentrer pour voir. Allons-y. Comment? Vraiment, comme je vous disais, ça va être vraiment une visite totalement guidée. Hein. C'est-à-dire on est vraiment pour vous montrer ce à quoi ça va ressembler. Bon, bien évidemment, à cause du Covid, vous avez remarqué que c'est un peu vide maintenant actuellement. Mais bon, dans tous les cas, alors on est là. Ça, c'est un peu l'intérieur en fait. On va vous montrer l'intérieur. Voilà quoi. On est là. C'est vraiment des choses intéressantes à regarder quoi. C'est intéressant à regarder. Voilà quoi. Donc, voilà. Voilà l'intérieur. Voilà quoi. Stay there, let us take a picture. Dodo. Voilà. Voilà quoi. C'est un peu la découverte. Et puis on a notre assistant là-bas devant là-bas qui court, qui est tellement émerveillé. Voilà quoi. Donc c'est cela. Alors, première. Donc c'est ça et puis voilà quoi. Là on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des espèces de oiseaux là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà quoi. Donc voilà. Ben, dans tous les cas, on continue, et puis voilà quoi. Donc, comme je disais, c'est vraiment une visite guidée. On est obligé de porter les masques parce que, bon, bien évidemment, le Covid continue toujours à chicoter, donc voilà quoi. Alors, on continue la balade. Donc, on est là. Voilà. Donc, on est là, il y a un spécimen là quand même. On va essayer quand même de vous montrer. Voilà. On continue. Voilà, bien évidemment, mes gens là ils sont en train d'avancer à tel point. Regardez un peu les, une espèce de grotte, une caverne en fait. Donc on est là, on va rentrer dans la caverne. Donc c'est un peu ça. Alors ici on a une iguane. Voilà. Là elle est tellement proche que vraiment moi de l'état une d'elle-même quoi.
Mais là, wow. Écoutez, on a quoi là? On a un spécimen aussi. Voilà quoi. Voilà. Donc voilà, continue. Ok, là on est dans une cascade apparemment. On peut le voir. Voilà. Et on va quand même dire que c'est beau, hein. Il ne faut pas se mentir. Voilà, ils ont très bien bossé ça. Voilà quoi. Vraiment une très belle expérience. Allez, partagez. Voilà quoi. Voilà. En fait, c'est une partie, c'est là qui nous fait juste penser à l'Afrique, quoi. Ça fait juste penser à l'Afrique. Mais dont ils ont bossé le décor. Ça fait juste penser à l'Afrique. Bon, là on a un serpent qui est là. Asiana a fui quand elle a vu le serpent. Asiana a fui directement quand elle a vu le serpent là. Donc là, c'est ça, elle a voulu venir au zoo. Maintenant on est là au zoo. Elle a directement fui quand elle a vu le serpent. Ça, on va faire comment elle. Donc là on est dans les cavernes. On est dans les cavernes. Donc c'est cela, on est en train de voir, on visite. On est vraiment en train de visiter. Voilà quoi. En fait, ils ont bien bossé ça. Tu te poses juste la question de savoir où on peut faire mieux en Afrique. Mais... Donc c'est ça. Alors, on veut quand même immortaliser quelque chose là. C'est quand même un bel oiseau. Je ne sais pas si c'est un oiseau. Bien quoi. On va voir un over. Wow. Wow, that's very nice. Yeah. Shit, don't go there. Non. Regardez celui qui a le plume là. C'est quoi? Allô? Oh, allô? Baby, don't go too close. You just stay here. Okay. Hello. Okay, donc on est là. You can't go too close. You just stay here. On est là. On est toujours en train de vous montrer. C'est à quoi ça ressemble. Mazou. You want to go there? Okay. Okay, alors, on continue de plus belle notre visite, notre balade. Alors ici, voilà les animaux qu'on est censé voir ici. Hein. Le problème c'est que là ils sont au fond là-bas, au milieu là-bas. Et on a toujours un animal ici. Bien, on voit quand même. Non. Bon, allez, voilà ici là. Comme là ils sont plus... Ils sont da. Il y a comme ils sont immobiles, ils ne bougent même pas quoi. Da. Wow. Ils sont d'un calme olympien ceux-là. C'est comme si c'était des statuettes en fait.
C'est les animaux là-bas. C'est les statues. Non, c'est pas les statues. C'est. Non, c'est pas les. Tu vas voir comment le gars il bouge. Tu vas commencer à en vendre bouge. Bon, bien évidemment, là-bas au fond. Ah bon, au fond, on va les rhinocéros. Voilà quoi. Tu vois pas rhinocéros là-bas? Au fond, là-bas. On voit rhinocéros là-bas. What's that over here? On voit le deer. Donc on continue la balade panoramique. Bien évidemment, là-bas, on a les girafes qu'on va aller bien voir de près. Mais... Oh my gosh! C'est un peu ça en fait. Des girafes là-bas. C'est vrai ça en fait. Dada, come here! Bien évidemment, là quand même on a une vue un peu plus proche des girafes, de nos amis. Et là, on a une vue plus proche de nos amis là. Donc voilà. Avec ce qu'on appelle les deer. Ok, là on va un peu rentrer dans un autre endroit. Là on a vu les girafes de l'autre côté. Là on va un peu rentrer pour voir ce qu'il y a. Ouais. Ok. Là on va voir les girafes plus proches parce que là-bas c'était plus loin. Donc voilà en fait. Voilà où ces derniers là sont gardés. Et voilà quoi. La taille du cou. My God. Donc la taille du cou. Qu'est-ce que tu manges, cher ami? Regarde les pieds, man. C'est juste magnifique, quoi. Donc, voilà, quoi, on est là.
Il y a un autre assistant là qui est tellement content d'être là qui ne veut même plus partir. Donc on est là, voilà quoi. On regarde un peu. Puis voilà quoi. Donc on va continuer. On va continuer notre balade. You walk with me, I don't leave you alone again. Matinale. Donc voilà quoi. On va continuer notre balade. Voilà. Alors, Asiana, c'est quand même ta première fois quand même d'assister, de venir au zoo quand même aujourd'hui, c'est-à-dire depuis que tu es là quand même, quelle est ton impression? Mais je suis tellement contente. Ah bon? Je suis contente d'être là. Ça faisait longtemps que j'ai vu les animaux comme ça, ça me fait plaisir. Mais je peux voir tous les animaux sauf le serpent quoi. Ouais, mais le serpent que tu as, on a vu là, tu as fui. J'ai fui seulement, voilà les autres aussi. Tu as fui? I will hold your hand now, baby. Sorry. Voilà les girafes encore ici.